Allez, ça tout le monde, c'est Azuric Perassia. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 de notre aventure 100% sur Tamagotchi Connection Corner Shop 2, les amis. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 de ce Let's Play qui a repris, voilà, qui reprend un petit peu. Alors, temporairement, hein, un petit peu, mais dites-vous qu'il reprend un petit peu. Donc voilà, l'épisode 7 de Tamagotchi Connection Corner Shop 2, les amis, qui est au cas où, comme je vous ai dit souvent, mon Tamagotchi préféré. Et du coup, ben, les amis, on va pouvoir reprendre notre partie. C'est au niveau d'un épisode précédent. Il me semble que je sais même plus ce qu'on avait fini. Honnêtement, je sais plus ce qu'on avait fini. Donc, il me semble. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? Ah oui, parce qu'on avait agrandi la. Comment ça s'appelle? La maison, la boutique de mode. Donc, il me semble qu'on avait un petit peu attaqué la petite. La petite boutique. Et ben alors. Mais non. Je vais opérer. Bah alors, pourquoi ça fait ça? Ah, le jeu il est en train de me cracher en fait. Il y a plein qui répond. Ouh lolo, ça bug de ouf. Quoi, ça bug de ouf? Ça buguait pas comme ça là-bas. Ah, en fait, j'ai l'impression qu'il faut laisser. Bon. Mais attendez, mais il y a un problème, il y a un gros problème avec avec le truc. Emu input and hockey. Général. Video setting. Bon, attendez, hein. C'est bon, ça a l'air de marcher mieux. Ah oui, ça a l'air beaucoup de mieux marcher. Donc c'est parti, Sushiba. Donc oui, c'était au cas où on avait continué un petit peu le sushi, enfin on avait commencé. Donc salut les Maimichi, nous sommes deux. Bienvenue, c'est ok, pour une tablette pour deux, pour ceux dont c'est la première visite au centre Sialtama. Une carte fidélité est utilisable dans toutes nos boutiques leur sera donnée. Et je vous inscris aussi, tu mènes la grande vie à manger ces sushis en rentrant à l'école. J'avais tellement envie de manger les sushis de Maimichi que j'ai cassé ma terrelire. Qu'est-ce que je te sers? Tu me conseilles quoi, Maimichi? Tu me conseilles quoi aujourd'hui? Que dirais-tu des crevettes? Ah, elles sont aujourd'hui encore frétillantes. Cela me met de l'eau à la bouche. C'est écrit, ça prend bien les commandes, ok? Y a pas de souci. Donc on y va. Alors. Alors, il faut que je me souvienne comment on fait. Alors, attendez, je sais plus comment on fait. Oh, je sais plus comment on fait, les gars. Alors, je crois que c'est comme ça, hein, même si je dis pas de conneries. Voilà, il est content. Ok, en fait, les boissons... Bah, il faut que je me souvienne, hein, ça fait longtemps. Et il faut vraiment que je reprenne des vidéos de ce Let's Play. Ok, il vaut une boisson, la même. Et gourmand. Ok. On monte la bouteille de lait. En général, quand il y a ça, ça veut dire que c'est presque fini. Et puis bon, de nouveau le même truc. Lui aussi. Ok. Bon, ça va, on se débrouille pas trop mal. Donc évidemment on va faire tenir dans les 20 minutes, hein, je pense, cet épisode. Voilà, le temps de la reprise. C'est bon, ok, est-ce que c'est fini là? Ok, évidemment il manque un dernier. Bon, je pense que c'est vraiment le dernier normalement. Parce que si lui elle est fini, à mon avis il va pas tarder. Et ben voilà. Génial! Bon bah écoutez, au moins ça c'est fait. Bon, du coup ça va, j'ai pas perdu. J'ai pas perdu la main. Donc viens, enfin bon. Eh oui, tu as vraiment bien cuisiné. Tu cartonnes, tu as aimé nos sushis. C'était parfait, je suis très satisfaite. Les sushis de Azuric sont inégalables. Ravi que ça te plaise. Voilà la division, ça te fera 65 gochi. Vas-y, 65 gochi, merci. Donc du coup, bah écoutez, alors du coup c'est l'autre qui avait l'air un peu nouveau. On t'en bonne.
je vais tamponner toutes vos cartes, merci. Voilà, donc, bon, on va pas lire les dialogues à chaque fois, hein, mais... Si on faisait le truc de façon RP à la limite, mais... Ça peut être une idée, hein, mais bon. Vu qu'il y a encore deux autres parties derrière. Trois, on va dire, au total. Ok. Alors, les poissons, ça, on met ça là. Bon, on va préparer ça en cas de... Ah, évidemment. Ok, toi, tu veux un truc. Garniture. Et ensuite, je suis en train de galérer, les gars. C'est bon, on va y arriver. Ah, parce qu'après, ils peuvent s'énerver s'ils attendent trop longtemps, donc... Alors, le mieux, c'est toujours de faire celui-là en dernier, mais bon. Enfin, en premier, je veux dire. Bon, ça, il n'y a pas de chance que l'autre, il veut la même chose, en fait. Ok. Bon, on va remettre un petit peu. Mes habits. Garniture, voilà, tac, on envoie. Je pense que là c'est bien tout. Ok, il va encore une boisson. Un petit thé vert. T'as l'air d'être bon comme tout ça. Sur ma vie, ça a l'air d'être bon tout ça. Ah, il veut une autre boisson. On dirait un jus de fraise, mais un mélange de jus de fraise avec un peu de lait. J'ai l'impression que c'est un mélange de jus de fraise avec ou de framboise avec un peu de lait. Je sais pas vous, mais ça a l'air d'être putain de bon. Et normalement c'est bon. Oui, génial. Bon, ça enregistre très bien. Ouais, ça enregistre très bien même. Bah, écoutez, tant mieux. Ah oui, du coup, vous avez pas vu, mais nouvel encadrement, également nouveau trailer, enfin nouvelle intro. Voilà, donc au moins vous êtes au courant. Donc ça, j'enlève les claps de début. Voilà, oui, c'était trop bon. 65 Gucci, allez, donne-moi l'argent. Oh, t'es nouveau toi. Salutations. Ah bon, du coup, le nombre de clients, je sais même plus. Deux clients ajoutés, d'accord, elle dit quand même. Somme 3, bienvenue. Table pour 3, on dirait qu'on a un nouveau client, ouais. Ah, alors, il y en a un parmi tout ça, donc... Les boissons, on a tout ce qu'il faut. Bah oui, on a tout ce qu'il faut, bien sûr. Allez, go. On va, alors du coup, non, toujours faut commencer par le dernier parce que c'est lui qui met le plus longtemps à arriver. Ensuite, on prend ça, la garniture, on met le wasabi dedans, on met le petit wasabi dedans. Voilà, donc là, bon, ça va, il y en a 3, c'est gérable. Quand il commence à en avoir 4 ou 5, les gars, on va mourir. Hop, bon, on va mourir, c'est une façon de parler, hein, mais bon. Voilà. On va y arriver. Merci. On envoie. En tout cas, oui, ça se passe très bien. Écoutez, hein, j'espère qu'en tout cas que vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais très bien. Merde, il a pas reçu sa gourde parce que l'autre, elle voulait une gourde en priorité. Et du coup, oui, moi, pour moi, les amis, je vais très bien. Écoutez, hein, voilà, le let's play reprend. Sachant qu'il va reprendre bien comme il faut. Alors du coup, il y en a un qui a fini. Ah mais à chaque fois ils veulent les mêmes trucs à chaque fois, c'est chiant. Donc ça c'est un truc que tu peux pas trop prévoir malheureusement, mais allez allez, vite vite. Parce qu'il va. S'il s'énerve, ça me fait perdre un truc hein, donc vaut mieux qu'il y arrive le plus vite possible là, voilà. L'autre il veut du poisson donc. Ok, il y en a 2 sur 3 qui sont finis. Il manquera plus que les autres. Allez, allez, allez. Allez, mange, mange. Le bon. Voilà. C'est bon, ouais. Congratulations. Écoutez, bah, ça se passe très très bien. Donc évidemment, du coup, hein, si vous ne le savez pas, j'ai au cas où changé d'environnement. J'en enregistre plus à mon ancien chez moi. Là, je suis dans mon nouveau chez moi.
Donc voilà. Franklin, c'est un bon. J'ai vraiment bien cuisiné, très bien impressionnant. Comment tu as trouvé les sushis? Voilà, c'était parfait, je suis très satisfait. Y'a pas de soucis, Mams. Y'a pas de soucis. Merci. Merci, merci. Donc du coup, voilà, ravi que ça te plaise, voilà l'addition, ça fera 65 gochi. Ok, merci. Bah écoutez, on va taponner la petite carte de fidélité. Voilà, c'est vraiment trop bien ce jeu, je vous jure. C'est ce système de tamponnage de carte de fidélité, c'est vraiment une masterclass. On a acheté un client, donc il sera comptabilisé en bas. J'ai mangé des sushis, merci, combien vous êtes? Un, deux, trois, après il y a quoi? Ouais, en même temps vous êtes deux, donc... Bon, dites-vous que le... En fait, plus le... Oh, surtout qu'ils sont au pire endroit. Oh, ils se sont vraiment mis à la fin. Ah, donc là, ça va être chiant. Ça va être long. Je précise, ça risquerait d'être long. Alors, du coup, on va lui donner en lui en priorité, qui est le plus loin. Ah, ben parfait, il y a la... Il y a la femme qui... La princesse qui fait augmenter le... Le... On va dire le resto. Bon bah parfait, du coup après on va pouvoir, enfin peut-être pas, j'allais dire on va peut-être pouvoir s'arrêter là après, mais bon, on verra. Ok, donc toi, ok, toi tu prends celui-là. En plus elle est venue avec ses deux confrères. Là ça me donne envie d'inceler les mecs. En fait, je suis en train de réfléchir. En fait, j'aimerais bien garder quand même les bruitages, mais je sais pas s'il y a moyen d'arrêter le son du jeu, enfin, l'OS, oui, le son, pour mettre à la place des OST Nintendo. Je suis en train de penser que j'aimerais bien mettre à la place des OST Nintendo, parce que, comme ça, au moins, par exemple, les OST Zelda ou Mario, ça peut être cool, non? Donc, pour le prochain épisode, si vous voulez, on tentera ça, et puis on verra. Moi, honnêtement, je suis pour, hein. Donc voilà pour l'épisode 8. Sachant que l'épisode 8, ben, je pense qu'il va peut-être arriver. Alors, normalement pas la semaine prochaine, parce que l'épisode 8, pour l'unique et bonne raison que la semaine prochaine, c'est un planning à thème, Zelda 3D. Mais en revanche, pour le planning d'après, et d'ailleurs je réfléchis à faire passer ce let's play en prioritaire. Donc ça peut être cool. Donc je pense d'ailleurs, je vais même faire passer ce let's play en prioritaire. Honnêtement, ça peut être sympa. Oh, il y a encore une boisson. Oh. Mon gars, il mange un peu. Bon, il a mangé, ça va, il a mangé deux assiettes de sushi, mais bon. Voilà, donc elle... Ça arrive... Putain, vraiment, ils se sont mis au pire endroit, quoi. Voilà! Congratulations! Ouais, parce que c'est la seule couille à la fin qui te mettent les deux ces trucs, parce que, en fait, vu que l'autre, ils sont loin, et du coup, ben, le temps que l'assiette arrive loin, tu peux pas accélérer la chose, hein. Si on pouvait, ça serait bien, mais bon. Le client sent bon, tu as vraiment bien cuisiné, Zurich, tu cartonnes. Les sushis sont tellement bons, les gens qui savent apprécier les sushis sont très raffinés. Merci! Ça fera 65 gochi, s'il te plaît. C'est bon? Oui, merci, le compte est bon. Merci! Ah bah, pour tamponner la carte fidélité, ça a l'air d'être du coup un nouveau client. Voilà, Shiro Puchichi. Et du coup, là, il va voir la fille, je vais tamponner toutes vos cartes. Ouais, au revoir, à bientôt, merci. Ouais, c'est à ce rythme de... À ce rythme, on va vite devenir le meilleur sushi de bar du coin. En fait, Azurik, deux clients ont ajouté à la liste. What? Mais faut arrêter. Bienvenue. Bonjour, Mémétis, ça va? Oh, merci d'être venu, princesse Tamako. Azurik, on a une cliente. Vous n'avez pas toutes tes cartes de fidélité. Je vais en faire pour ceux qui n'en ont pas. Ok. Et je vais vous inscrire aussi. Quel sushi voulez-vous? Eh ben, minute, tout a l'air si bon. Azurik, prends bien les commandes, ok? Allez, trois clients avec la petite... Avec la princesse. Alors du coup là on va directement mettre ça immédiatement. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Donc on va juste pas, d'autant que ça arrive, générer un petit peu de du wasabi. Alors il veut du poisson. Ok. Toi tu veux ça. Et un petit thé vert. Très réputé au Japon, le thé vert. En même temps, c'est tellement bon, le thé vert. Il y a du monde qui trouve ça dégueulasse. Moi, j'adore. Justement, parlant de thé vert. Thé vert encore. Hop. Voilà. On met le petit wasabi. Et voilà. Ouais, parce que le vert, c'est du wasabi, hein, je pense que vous imaginez. Avec la petite branche. Évidemment. Bah, c'est indiqué là, en plus, qu'elle voulait.
Ok. Donc il y en a, ok, 2 sur 3 qu'on finit. On envoie. C'est bon ou pas, ou t'en as encore besoin? C'est bon. Eh ben voilà! Bon, moi ce qui me tue, bon, ça, on dirait que c'est un truc à volonté. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ouais, c'est ce système de trucs de service à volonté où tu payes genre 65 gucci par exemple pour les boissons, enfin pour le service et tout. Et en fait, tu peux manger tout ce que tu veux. Parce que je me suis dit, c'est bizarre quand même. Il c'est 65 gucci pour des gens qui ont soit pas mangé, soit des gens qui ont beaucoup mangé. Mais bon, en fait, je pense que c'est vraiment un service, c'est un truc à volonté quoi. Le client s'en bon, je suis sûr que la princesse Tamako est satisfaite. C'était délicieux, c'était un honneur. Et du coup, on va pouvoir taponner la carte de fidélité. Putain, elle a... C'est rempli, hein, elle. Oh my fucking god. J'ai taponné toutes vos cartes de fidélité. Merci. Au fait, Memechi. Oui, princesse Tamako. C'est Azurik et Memechi, votre sushi bar Pucci est très populaire. Ah, vraiment? Je pense qu'il est temps de l'agrandir en sushi bar Mechi. Wouah, fantastique. Mais nous n'avons pas les moyens pour faire des travaux. Non, vous inquiétez pas, mes domestiques s'occuperont de tout. Ah, les larbins, les esclaves. Youpi, tralala, merci infiniment, princesse Tamako. Le temps, c'est de l'argent. Allons-y, bonne continuation, mes métiers. Merci beaucoup. J'adore les deux clients qui sont venus manger. Les pauvres, ils ont même pas pu profiter. Ça me tient. Ils auraient dû faire en sorte que quand même, on les fasse quand même. Et qu'on ferme après la boutique directement, comme ça au moins. Parce que le pauvre, ils sont rentrés, ils se sont dit, on va se régaler quand tu. Ils regardent tout le monde manger, ben finalement. Tu as réussi, Adric, tu as réussi. Notre boutique s'est agrandie. À partir de maintenant, nous sommes un sushi bar Mechi. Nous allons faire les meilleurs sushis de la planète. En fait, tu as remarqué que le centre commercial est devenu bien plus intéressant? Tu es tel, tout est tellement plein de vie. Bah oui, bien sûr. Des objets débrouillés, tatami disponible à l'achat, veste jean disponible à l'achat. Wait. Bah parfait. Bah écoutez, c'est quelle heure? C'est quelle heure que je regarde un petit peu. Ben on va pas s'arrêter là, vous savez quoi, on va s'arrêter là. On découvrira du coup le fameux petit truc médical, voilà, dans l'épisode prochain, le petit centre médical, c'est ça. Voilà, c'est la clinique dans le prochain épisode. Écoutez, merci de m'avoir suivi pour cet épisode. Normalement, je dis pas de conneries, ce let's play passera prioritaire dans le planning prioritaire, voilà, donc je vous le dis, donc au moins vous êtes au courant. Moi, je suis hype de ce jeu de façon abusée. Et donc, du coup, ben, on se retrouvera dans l'épisode prochain dans lequel on ira s'attaquer à la clinique. Voilà, à la clinique. Alors, dernière petite chose, quand même, on va quand même regarder un petit peu les cartes. Je sais plus les clients qu'on a exactement. On va voir un petit peu la liste des clients. Alors, du coup, là, ok, on les a pas. Alors, du coup, attendez. 3, ok, donc. Elle, c'est normalement, c'est ce qu'on a le plus, hein. Elle a environ 4, 5, 6, 7. Elle a 7 tampons. Ok. Mimuchi, Mimuchi. Ah oui, lui, il a vraiment problème de carburant. 2, ok. Je veux savoir si est-ce que c'est... Il n'y a que la princesse Tamako qui est le plus venu. Monsieur Flask. Ok. Alors, lui, il adore l'essence. Il adore les burgers aussi. Hein, mais... Oh my god! Ah oui! 6 tampons! Ah ben, presque le record en fait. Beaucoup dans les fleurs et beaucoup dans le style de mode. Faut venir manger hein, aussi, faut prendre des hamburgers. Faut prendre des hamburgers hein, et des cheeseburgers. Ok, je regarde un petit peu quand même. Ça va pas à pas. Pink, heureusement qu'il précise parce que je suis daltonien donc je vois aucune différence. Ok, blue. Ok, Young Dati, Dorothy. Je regarde quand même un petit peu Uramachi. Alors du coup. Voilà tout. Donc du coup, bah écoutez, on va pouvoir s'arrêter là du coup pour aujourd'hui. Et on se retrouvera du coup dans l'épisode prochain qui arrivera du coup normalement la semaine d'après. Donc voilà, soyez au rendez-vous. Merci d'ici là. Portez-vous bien les amis. Ciao tout le monde. Hey, peace.